Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très, très heureuse de recevoir Moussa Nabati ce soir. Et apparemment, je ne suis pas la seule, hein, Moussa, parce que vous avez vu, la salle est pleine. Vous étiez attendue. Je suis impressionnée. Vous êtes impressionnée. Moi, je suis un peu impressionnée aussi. Et de vous recevoir et de cette assemblée aussi nombreuse. Donc vraiment, un grand, grand merci d'être là. C'est magnifique. Et puis merci Moussa Nabati d'avoir accepté mon invitation à venir dialoguer avec nous, à venir parler avec nous et notamment à venir nous présenter votre dernier livre qui vient de sortir chez Robert Laffont. Se reconstruire, la blessure est l'endroit par où la lumière pénètre en vous. Alors Moussa Nabati, avant de parler du contenu de ce livre fort intéressant, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, celles qui ne vous connaîtraient pas encore, vous êtes psychanalyste, vous êtes docteur en psychologie, et puis vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages tels que « Guérir son enfant intérieur »,« Renouer avec sa bonté profonde ». Mais ça, c'est la bio officielle, la courte biographie officielle, mais j'aurais vraiment aimé que ce soir vous nous parliez un petit peu plus de votre parcours que je connais moins. Alors, je sais que vous êtes né en Iran, parce que ça, on le trouve facilement sur Wikipédia. Oui. Mais voilà, combien de temps vous êtes resté en Iran et peut-être qu'est-ce qui vous a amené en France? Enfin, merci d'abord pour votre présence ici ce soir. Et oui, effectivement, je suis né en Iran, à Téhéran. Et puis, depuis tout petit, disons depuis l'âge de 6-7 ans, j'ai été vraiment très impressionné, très amoureux de la langue française et de la France. À tel point que, enfin, quand j'étais un peu plus vieux, un peu plus adolescent, je me souviens de cette agence de tourisme à Téhéran, une très grande affiche, la Tour Eiffel avec des cerisiers en fleurs, et c'était marqué « Le printemps à Paris ». Et vraiment, alors chacun a des buts et des projets dans sa vie. Et moi, mon projet, depuis très jeune, c'était le printemps à Paris. Voilà, donc je me suis mis à apprendre le français. Enfin, j'ai tout fait pour venir en France. C'était pas du tout c'était pas du tout une immigration économico-politique. Il n'y avait pas de persécution, il n'y avait pas de misère. L'Iran était un pays prospère et en sécurité et de dingue. Mais c'était vraiment par amour, pour la langue française et puis pour la culture française et la France. Donc je n'étais pas obligé de venir. Ce n'était pas dicté par un besoin, mais par le désir de me transplanter, de mettre mes racines ici. Alors après, évidemment, des études. Et ensuite, sur le plan plus professionnel. Et donc, vous êtes arrivé à Paris à quel âge, Moussa? À Paris, à 19 ans. 19 donc, ans, vraiment, c'est après-demain. C'est le 25-26 Ah oui, oui. Mars. On pourrait presque le fêter, là. Parce que déjà, le printemps à Paris, on y est. Voilà. D'accord, très bien. Enfin, je ne dis pas seulement il y a combien d'années. Non, je ne vous pose pas la question. Mais je dis qu'il y a quelques temps, il y a quelques années, c'était le printemps à Paris. J'ai réussi mon pari à 19 ans. Et vous avez donc fait des études à Paris? Alors, des études, donc vous l'avez souligné, donc doctorat en psychologie. Et alors, ma thèse, c'était un sujet qui m'intéressait énormément parce que j'avais commencé à travailler dans une institution psychiatrique. Voilà, ma thèse, c'était sur ce qu'on appelait à l'époque les balancements psychosomatiques et plus particulièrement les rapports entre les maladies psychosomatiques et la schizophrénie, puisque je travaillais avec les schizophrènes. Alors donc le sujet était très intéressant, était le suivant. C'est hier, je me suis aperçu que c'est en fait le même titre, la même thématique que maintenant, c'est-à-dire se reconstruire. C'est-à-dire en quoi un mal, en quoi une épreuve, en quoi une blessure peut être effectivement le commencement d'une reconstitution. Eh bien, le sujet est simple, c'est que les schizophrènes, enfin, comme j'avais étudié à ce moment-là, ils avaient un corps en acier inoxydable. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment, ils n'étaient jamais malades, ils pouvaient manger n'importe quoi, ils pouvaient faire du ski torse nu, ils cassaient les glaces dans les lacs
pour se baigner à moins 20, vraiment, c'était des indestructibles. Indestructibles, oui. Mais à côté de ça, ils étaient complètement envahis par les délires et les hallucinations et des sentiments persécutifs et des dissociations, etc. Mais il arrivait de... Alors, ils n'étaient pas malades. D'un côté, sur le plan corporel, ils étaient vraiment indestructibles et immortels. Et sur le plan psychologique, complètement en morceaux. Quand ils faisaient des tentatives de suicide, c'est-à-dire ils se jetaient du cinquième étage ou sous la voiture, ils étaient blessés corporellement, ils se cassaient, eh bien, on assistait à, ce balancement. C'est-à-dire que sur le plan psychique, eh bien, la destruction qu'ils avaient subie sur le plan physique, eh bien, sur le plan psychique, ils avaient moins de délire, moins d'hallucinations, ils allaient pratiquement bien. Et ils étaient beaucoup plus, on était beaucoup plus aptes à avoir des liens et des contacts avec eux. Parce que comme si, quelque part, ils devenaient, ils prenaient corps, ils devenaient vivants. Et voilà. Alors c'est à ce moment-là que j'avais inventé aussi une thérapie médiation corporelle, c'est-à-dire qu'on les enterrait dans des sables chauds. Et à ce moment-là, enfin, c'était aussi comme une espèce de matrice chaleureuse et accueillante. Et à ce moment-là, on pouvait aussi avoir des échanges verbaux, verbales avec eux. Donc, voilà, enfin, la thèse de doctorat. Et puis, on avait créé, avec la collaboration de certains membres, on avait créé aussi une unité de soins en dehors de l'hôpital psychiatrique, parce qu'à ce moment-là, on était tous portés par le mouvement antipsychiatrique. Et on a trouvé que l'asile, c'était pas, ils étaient trop médicamentés, trop séquestrés. Et donc vous étiez l'asile dont vous parlez, l'institut psychiatrique, c'était à Dole, hein, c'est ça ? À Dole, oui. Voilà, une structure psychiatrique à Dole. Donc on a acheté un hôtel désaffecté qui avait 45 chambres, mais qui ne marchait pas. Donc on a acheté, on a créé une communauté thérapeutique, enfin genre kibbutz, avec beaucoup moins de médicaments, insérés dans un village, avec des liens. Vous voyez, donc on a essayé de sortir les schizophrènes des murs de l'asile et les insérer dans le milieu de la ville. Les villageois, évidemment, étaient très inquiets au départ, parce que les fous, qu'est-ce qu'ils faisaient là? Mais petit à petit, il y a une espèce de conciliation, réconciliation qui s'est faite de part et d'autre. Et il y avait des schizophrènes qui allaient travailler dans les ateliers environnants, vraiment. Ça a donné des résultats absolument extraordinaires. Mais après 20 ans, 25 ans, on a arrêté ça. Et la maison s'est transformée en une maison, la première maison clinique publique spécialisée dans la dépression en France. Alors, et donc après, il n'y a aucun psychotique qui est retourné à l'hôpital psychiatrique. Après, on a créé des appartements thérapeutiques. Et puis voilà, après, on s'est occupé de la dépression. Qui m'a énormément aidé pour que je fasse mon premier livre sur la dépression. Vous voyez, c'est la même chose. Hein, en quoi la blessure est quelque chose qui permet de se reconstruire. Après, mon livre, c'était la dépression. Vraiment, ce n'était pas du tout une provocation. C'était la dépression, qui est paru chez Fayard, la dépression, une maladie ou une chance. Parce que je considérais que la dépression n'était pas une maladie, que nous n'avions pas à guérir, à soigner la dépression avec les médicaments, etc., enfin à la refouler, à la combattre. Mais en fait, c'était un message, la dépression, c'était un symptôme, c'était un message, il venait nous dire quelque chose. Et je soutenais, je soutiens toujours que la dépression, c'est un phénomène qui vient, qu'on n'a pas à guérir, mais qui vient nous soigner, nous, qui vient à nous guérir. Et donc, son message le plus important, c'est, voilà, tu n'as pas été toi-même jusqu'ici, tu ne t'es pas occupé de moi, de toi-même, tu t'es sacrifié aux autres, enfin, comme enfant thérapeute, etc. Et à partir de... Enfin, donc, ça vient, effectivement, aider le sujet à devenir de plus en plus lui-même. Vous le travaillez beaucoup, hein, ce thème-là, d'ailleurs, dans votre livre, dans celui qui vient de sortir, Se reconstruire. Je vous cite, vous écrivez notamment, « Le symptôme dépressif invite à préférer le verbe « être soi » à ceux d'être avec quelqu'un, avoir ou faire ».
Donc préférer être soi, le symptôme dépressif est une invitation à être soi plutôt que de continuer à vouloir absolument être avec quelqu'un ou avoir ou faire. Absolument. Excusez-moi, Moussa, est-ce que c'est à ce moment-là, donc là, on parle des années 70-90, parce que vous venez de balayer comme ça, très rapidement, 20 années de travail et cette expérience très intéressante, que moi je ne connaissais pas, de sortir les schizophrènes de l'asile où ils étaient et de créer cette communauté qui bouge. Je crois qu'il y avait des animaux, enfin vous me disiez, vous m'expliquez. Absolument, les chevaux. Qui peuvent être vraiment, effectivement, thérapeutiquement très, très bénéfiques. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez pensé je ne sais pas si on peut parler de concept ou plutôt de théorie en psychanalyse, de la dépression, la dépression infantile précoce. Parce que là, vous venez nous parler plusieurs fois de la dépression. Est-ce que c'est là qu'est venu ce constat, cette théorie? C'était peut-être en germe, mais surtout c'est venu quand la maison s'est spécialisée dans la dépression. Et on avait beaucoup des gens qui venaient de toute la France. Et donc, je me suis aperçu, si vous voulez, je me suis posé la question de savoir pourquoi une telle disproportion entre les preuves. Et voilà, il y avait des gens qui étaient déprimés, donc ils passaient à des actes autodestructeurs. Il y avait qui faisaient des tentatives de suicide, à plusieurs reprises. Il y en avait aussi qui passaient par des passages à l'acte vraiment destructeurs vis-à-vis des autres. Et donc, je me suis aperçu de la disproportion entre l'intensité des symptômes, la durée des symptômes, la difficulté de tourner la page, la difficulté de faire le deuil, et puis la disproportion, si vous voulez, entre le côté adulte, la personne adulte qu'ils étaient, et puis voilà, donc les forces obscures et irrationnelles, et la disproportion aussi entre l'intelligence qu'ils avaient, le niveau culturel et le niveau du savoir, instruction qu'ils avaient, avec une émotionnalité tout à fait débordante et disproportionnée. Oui, il y avait trop de différences, trop de contrastes entre leur réaction à des situations qui ne méritaient peut-être pas un tel bouleversement émotionnel. Absolument. Par exemple, ou des passages à l'acte. Absolument. Et puis de temps en temps, il y avait, par exemple, quand il y avait des déceptions sentimentales ou un licenciement, enfin n'importe quoi, n'importe quel choc, n'importe quelle effectivement épreuve. Quand il y avait le château, la fenêtre, dans le château, il y avait une fenêtre qui ne fermait pas bien ou quelque chose qui ne faisait. C'est tout le château qui se trouve 10-1 est égal à 0. Enfin, toute l'identité de la personne se déstabiliser, s'effondrer. Voilà, c'est la disproportion entre l'émotionnalité et la raison, entre le côté infantile et le côté adulte, l'intensité de la souffrance, la durée de la souffrance, et puis la difficulté de tourner la page. Alors quand je dis tourner la page, ça ne signifie pas évidemment d'effacer, mais ça veut dire de l'intégrer, parce que la vie c'est comme un livre. Et bien, quand on est à la page 40, tourner la page 39, ça ne veut pas dire qu'on arrache cette page, ça veut dire qu'on l'intègre, ça fait partie de notre existence. Donc voilà, je ne suis pas l'inventeur du concept de l'enfant intérieur, mais j'avoue que peu à peu, j'ai découvert grâce à ce travail dans cette institution, donc je ne suis pas l'inventeur, parce que ça a été employé un peu à droite et à gauche, mais j'avoue que tout mon édifice théorique et toute ma théorie et toute ma pratique est basée sur l'enfant intérieur, c'est-à-dire son repérage, le retrouver, le sauver du refoulement et de l'écouter, etc. Mais bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, mais ça veut dire que je mets tout mon travail de recherche et toute ma thérapie, je le base là-dessus par rapport à l'enfant intérieur et dans l'optique, effectivement, de devenir soi, de devenir plus adulte. Alors si je puis me permettre, là c'est vraiment très très important, évidemment, ce que vous venez de dire et cette notion d'enfant intérieur. Moi j'ai découvert votre travail à peu près, je pense en 2016, au moment de la sortie du livre « Renouer avec votre bonté profonde ». J'étais en train de travailler... Je devais enseigner un stage, un des premiers stages dans l'école dédié à la bienveillance.
Dans ce stage, il y a notamment un travail pour, et des pratiques pour rentrer en amitié avec soi. Et quand j'ai vu le titre de votre livre, « Retrouver sa bonté profonde », je me suis dit « Ah bah tiens, ça va me parler de bienveillance, ça va m'aider à travailler ». Et j'ai été, mais vraiment, pour moi, ça a été un choc, il y a eu un avant et un après. J'ai été estomaquée par la découverte de cet enfant intérieur tel que vous le décrivez et par cette notion de dépression infantile précoce. D'abord, j'ai trouvé ça très marquant de pouvoir imaginer la dépression très jeune, hein, et non pas juste quelque chose qui arrive à l'âge adulte, etc. Et puis, ce qui m'a marqué aussi, c'est que dans pas mal de courants spirituels, il y a la notion de l'enfant intérieur, mais on a quand même une vision un petit peu, parfois un peu naïve, un peu idéalisée de l'enfant intérieur, qui ne serait, et je ne dis pas qu'il ne le soit pas, mais qui ne serait que innocence, source de joie, créativité, etc. Et ce que j'ai découvert en lisant le premier livre que j'ai lu de vous, c'est que cet enfant, en réalité, s'il n'est pas reconnu, il peut être tyrannique. Et j'ai trouvé ça tellement libérateur. Et c'est vraiment ça l'articulation que vous faites quand vous dites voilà l'adulte infantile, c'est l'adulte qui ne reconnaît pas cet enfant qui du coup devient tyrannique. Absolument. C'est-à-dire que quand l'enfance a été sautée, quand l'enfance a été avortée, quand l'enfance n'a pas été vécue, quand l'enfance a été blanche, et blanche dans le sens du mariage blanc, c'est-à-dire que ça n'a pas été vécu, eh bien cette enfance qui n'a pas été vécue, a été avortée, a été sautée, etc., se transforme en fantôme. Voilà, en fantôme persécuteur parce qu'il n'a pas de sépulture. Et quand on regarde la littérature, on s'aperçoit qu'en fait, le fantôme, enfin, bien sûr, je ne sais pas si ça existe réellement, mais sur le plan symbolique, le fantôme renvoie toujours à une vie inachevée. C'est-à-dire que si une femme meurt en couche, elle se transforme en fantôme. Si un enfant meurt à sa naissance, il se transforme en fantôme. Enfin, toute vie qui n'est pas achevée se transforme en fantôme errant et persécuteur, faute de sépulture. Alors, quand l'enfance n'a pas été vécue, eh bien, cette enfance se transforme en fantôme. Et par le fait même qu'elle se transforme en fantôme, elle envahit tout le psychisme. Et donc, vraiment, elle séquestre l'individu. Parce que contrairement à ce que certains psychanalystes disaient au départ, la fixation ne provient pas du fait qu'on a été gâté, qu'on a eu trop d'amour, qu'on a eu trop de ceci et cela, donc on est resté fixé à des stades où on a été trop rempli, mais en fait la fixation provient du manque. C'est-à-dire que quand l'enfance n'a pas été vécue, quand on a manqué de deux choses, et dans la vie il n'y a que ces deux choses pour moi fondamentales, quand on a manqué de nourriture et de sécurité, c'est-à-dire quand on a été abandonné, quand on a été délaissé, quand on n'a pas été, voilà, quand on a eu la carence matricielle en raison de l'indisponibilité psychologique de la mère, alors je ne dis pas le père, si vous voulez me poser la question, je vous dirai pourquoi. Voilà, donc l'enfance ne peut pas être vécue, ça se transforme en fantôme persécuteur et errant. Et quand l'enfance peut être vécue, évidemment, il se transforme en une énergie absolument extraordinaire, en un ange gardien, alors que l'enfance non vécue qui se transforme en fantôme, eh bien le fantôme, il plonge répétitivement le sujet dans des situations, effectivement, dans le même scénario que le scénario qui a été joué au départ. C'est-à-dire qu'il y a, puisqu'en raison de la carence matricielle, en raison de l'indisponibilité psychologique de la mère, l'enfant a été délaissé, enfin il n'a pas été abandonné dans le sens qu'on le met dans un couffin et on met sur les marches de l'église, mais délaissé. Et donc à ce moment-là, mais la vie continue, l'enfant grandit, la vie est toujours plus forte que la mort. Donc l'enfant, il est obligé de développer un certain nombre de mécanismes de défense, de protection, pour survivre, voyez, parce que manque de nourriture et manque de sécurité le met dans un état de détresse importante. Donc il faut absolument qu'il grandisse et il faut absolument qu'il continue, enfin, sa survie. Alors ces mécanismes de défense, c'est quoi? C'est
de lutter, c'est d'essayer de repousser toutes les situations qui peuvent ressembler à l'abandon, c'est-à-dire dans une quête très importante d'amour et d'affection, dans laquelle, enfin, pour se montrer qu'il est bon, qu'il est gentil, qu'il est digne d'être aimé, d'être materné. Et donc il met des mécanismes de survie comme ça, pour essayer de survivre. Mais c'est très important parce que finalement, étant donné que le délaissement produit aussi, c'est-à-dire dans le cadre de la dépression infantile précoce, le délaissement produit aussi une culpabilité extraordinaire. C'est-à-dire que si l'enfant a été délaissé, c'est qu'il est mauvais, c'est de sa faute. Si les parents ont divorcé, c'est de sa faute, vous voyez, alors qu'en fait, il a été délaissé. Si le petit frère est décédé, c'est de sa faute. Si la maman a été déprimée, c'est de sa faute, vous voyez. Il est en fait, il a une espèce de culpabilité de la victime innocente. Alors, dans mes ouvrages, j'insiste énormément sur la question de la dépression infantile précoce et de son versant le plus important, la culpabilité de la victime innocente. Parce qu'en fait, il y a deux formes de culpabilité. Il y a la culpabilité par rapport à une inconduite, par rapport à la transgression d'un interdit extérieur. Et c'est culpabilisant. Mais voilà, quand on vole, quand on insulte, quand on fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, c'est une culpabilité consciente, mais ça n'a absolument aucune importance parce que d'abord elle est consciente et ensuite il y a des tas de moyens pour essayer de trouver l'absolution, c'est-à-dire une amende, la prison, une punition, n'importe quoi. Mais la culpabilité de la victime innocente dans le cadre de la dépression infantile précoce, elle est très très lourde parce que c'est inconscient. Et puis voilà, ça atteint la victime comme si le délaissement dont il était victime, la maltraitance, le rejet, le fait qu'il n'a pas compté, qu'il n'a pas eu de place, voilà, comme si voilà, c'était de sa faute, comme s'il était mauvais. Donc, alors, la dépression infantile précoce, donc l'enfant met des mécanismes de défense dans la lutte, dans le combat, et puis dans la perfection. Enfin, il fait tout, il est vraiment dans la quête de ce dont il a besoin le plus vital, c'est-à-dire la sécurité et la nourriture. Mais à cause de cette culpabilité fondamentale, la culpabilité de la victime innocente, et d'ailleurs le pervers, enfin celui qui fait une inconduite, il ne ressent pas de la culpabilité. Donc à cause de la culpabilité de la victime innocente, malgré sa quête passionnelle et sa quête intense de nourriture et de sécurité, il remet répétitivement en scène le scénario originaire, c'est-à-dire il fait échouer, c'est-à-dire qu'il cherche pendant des années, mais quand on lui donne, il ne peut pas recevoir parce qu'il n'est pas digne, parce qu'il ne mérite pas, parce que, voilà, parce qu'il est fondamentalement mauvais, parce que fondamentalement, il n'a pas le droit à ça. Si vous voulez, la différence entre la culpabilité consciente et la culpabilité de la victime innocente, c'est que dans la culpabilité ordinaire, le sujet, il a affaire au dépassement d'une limite, vous voyez, il ne doit pas dépasser une limite, une infraction. Mais par rapport à la culpabilité de la victime innocente, c'est très intéressant parce que c'est la confrontation à une impuissance interne. C'est-à-dire que l'enfant est abusé sexuellement, l'enfant, un parent meurt, ou, enfin il arrive des épreuves, dans sa vie, vous voyez, donc, mais il n'est pas, il ne se sent pas, sa toute-puissance est démentie, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable d'avoir empêché ça et il n'est pas capable d'avoir réparé ça. Et c'est vraiment la culpabilité de la victime innocente, c'est la confrontation à une limite, à une impossibilité, à une impuissance, à un pouvoir interne. Et c'est très important, c'est pas qu'une histoire infantile, enfin, ça se met en base dans l'enfance quand on a été victime, c'est très important. Mais dans l'âge adulte, le noyau dur
de la détresse adulte, c'est là-dessus. Oui, c'est-à-dire à chaque fois qu'il a une épreuve dans l'existence, ça veut dire quoi, c'est une la épreuve partie, c'est la partie enfant qui va réagir. La partie enfant en déprimée, la partie enfant en détresse. Et voilà, enfin, comme si y a un télescopage entre hier et aujourd'hui, comme si, voilà, donc, comme si effectivement, l'épreuve qu'il vient subir dans ici et maintenant, la déception amoureuse, chômage, enfin, je ne sais pas quoi, ou la découverte de son infertilité, enfin, tout ce qui peut être épreuve, évidemment, ça renvoie à cette première dépression, enfin, ça déclenche, ça fait réveiller, ça réactive absolument ce qui s'est passé, avant. Donc, en fait, ce que vous nous dites, c'est que, d'une part, il y a des mécanismes de survie qui sont... de toute façon, il n'y a pas le choix, c'est, comme vous le dites, et comme, puisque c'est de la survie, c'est tout à fait normal de les mettre en place bon an, mal an, comme on peut quand on a 4 ans, 5 ans, 10 ans, mais que ces mécanismes ne sont plus nécessaires déjà à l'âge adulte, ça c'est important. Or, si on ne regarde pas ça, on est toujours dans les mêmes mécanismes, finalement, on reproduit toujours les mêmes schémas. Et puis, ce que vous nous dites, c'est que toutes les épreuves, si on n'a pas regardé cette part blessée en nous, cette part d'enfant déprimé, dépressif, etc., eh bien, toute épreuve peut réactiver toutes celles qu'on porte, en fait, toutes celles qu'on trimballe. Absolument. Et il y a vraiment un travail d'équilibre, enfin, de reconnaissance de cet enfant intérieur. Absolument. Et d'ailleurs, l'intérêt de... Voilà, c'est la positivité de l'épreuve... C'est que l'épreuve, en fait, réactive l'épreuve qu'on a déjà vécue avant. C'est-à-dire toute épreuve qu'on vit à l'âge adulte, et bien sûr, ça s'accompagne d'une certaine souffrance, c'est normal, mais quand la souffrance est vraiment chronique et intense, ça répète l'épreuve qu'on a vécue dans son ailleurs et avant. Et c'est quoi l'épreuve? La seule épreuve, c'est... le fait d'avoir été éjecté de la matrice. C'est-à-dire qu'effectivement, tout adulte a besoin que ça aille bien, qu'il soit heureux, qu'il soit content, que tout marche bien, qu'il n'y ait pas de difficultés, qu'il n'y ait pas d'empêchement. Et alors, dès qu'il y a une épreuve qui arrive et qui dément ce besoin infantile de plénitude, d'harmonie, vous voyez, ça rappelle... Et voilà, ça rappelle, ça fait revivre ces sentiments donc, d'insuffisance, d'abandon, de mésestime de soi, etc. Mais ça renvoie au scénario originaire, c'est-à-dire l'expulsion de la... Voilà, qu'il n'a pas été aimé, enfin, l'expulsion de la matrice, la sortie en quelque sorte du paradis. Et, c'est vraiment ce que vous démontrez, enfin, et que vous écrivez admirablement dans ce livre, « Se reconstruire », vous employez une très, très belle expression. Cette épreuve est comme un fil d'Ariane qui va nous amener jusqu'à l'épreuve originaire, ou les différentes épreuves, et c'est bien en ce sens qu'on peut se reconstruire d'une certaine manière grâce aux épreuves. C'est ça. Mais il est vrai que la culture occidentale, parce qu'en fait, une épreuve, il y a trois significations. La première signification de l'épreuve, c'est la souffrance. Une épreuve, c'est une souffrance. Mais la civilisation occidentale cherche à nous prouver, enfin, nous met face à une négativité de la souffrance. La souffrance n'est pas bien, la souffrance est inutile, la souffrance est négative. Et donc, il y a plein de stratégies, il y a plein de moyens d'action, de médicaments, d'addiction. Vous vous rendez compte, enfin, la consommation de médicaments, la consommation des antidépresseurs en France, c'est trois fois plus que n'importe où. Vous voyez, enfin, vraiment la chimiothérapie, les antalgiques, les somnifères. Donc, la souffrance est considérée comme quelque chose de mauvais, de négatif, d'inutile. Donc, quand l'épreuve enclenche une souffrance... Alors, tout le monde veut s'en débarrasser le plus rapidement possible par recours soit à des objets, soit à des personnes extérieures. Vous voyez ? Alors, l'épreuve, voilà, donc ça, c'est la négation de la souffrance. Mais on peut considérer l'épreuve, comme vous dites, comme une espèce de fil d'Ariane, comme une espèce de radiographie de la personne. On peut le considérer comme une missive, un message
qui vient mettre en lumière, qui vient nous aider d'abord à découvrir et puis ensuite à corriger nos dysfonctionnements. Alors, dysfonctionnement, par exemple, quand l'épreuve nous frappe, la détresse qu'on a, enfin, la souffrance terrible qu'on a, donc ça peut être nous donner des leçons, ça peut nous faire connaître à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit à ce moment-là à quel point on a laissé son intériorité en jachère, à quel point on a immigré, vous voyez, comme les immigrés qui, par manque de sécurité et manque de nourriture, vont se transplanter ailleurs. On a été immigré, on s'est immigré dans l'extérieur, dans l'extériorité. C'est-à-dire qu'on a bâti son édifice dans la quête de l'amour, de la reconnaissance, vous voyez, de la... voilà, à travers les objets, à travers les personnes, à travers les... Vous voyez, donc on a été trop séquestré finalement, on a été trop séquestré dans l'extérieur, on a laissé, et on ne s'abreuve à ses sources intérieures, on ne fait plus confiance en soi. Donc l'épreuve vient nous dire qu'on est trop aliéné dans l'extérieur, qu'on est trop dépendant des jugements des autres, de la présence des autres, de l'importance des autres. Vous voyez, on est trop dans l'avoir, avoir, ou dans faire, ou dans agir, ou dans être en lien. Vous voyez, parce que donc l'épreuve vient nous ça. L'épreuve vient nous mettre en lumière que effectivement on a un manque d'amour de soi, qu'on n'a pas du tout développé nos parents intérieurs. C'est-à-dire on cherche toujours des mamans, on cherche toujours des papas, enfin des substituts parentaux à l'extérieur. Donc en fait, l'épreuve, c'est vraiment quelque chose, enfin un message qui nous aide à nous découvrir dans notre dysfonctionnement. L'épreuve vient nous dire à quel point on est sous l'emprise de l'enfant intérieur, à quel point on a une émotionnalité débordante, à quel point on est aussi dans le manichéisme, enfin dans le clivage. Voilà, à quel point on dit des positifs, négatifs, voilà, des choses comme ça. Donc en fait, l'épreuve vient nous déshabiller en quelque sorte, la souffrance, et puis il y a des. Voilà, donc permet de nous connaître. Vous nous dites, l'épreuve nous aide à devenir adulte. L'épreuve nous aide à devenir adulte. Parce que quand vous dites, on passe notre temps à chercher des parents, des substituts de papa, maman à l'extérieur, ça c'est bien l'enfant intérieur en nous qui est paniqué et qui cherche ça. Et l'épreuve, elle vient nous dire qu'on a le droit d'être adulte et qu'on a le droit peut-être de se reconnecter. Vous parlez de sources profondes, de ressources intérieures, enfin voilà, c'est... Vous parlez même dans votre livre des vertus de la passivité, ça c'est des choses qui ne sont absolument pas encouragées dans la société, vous avez raison. Absolument. Non seulement on nous séquestre à l'extérieur, on n'arrête pas de nous dire « va chercher dehors ce qui te manque », c'est bien ça la société de consommation, « va chercher dehors puis tu seras heureux ou heureuse ». Et puis fais, agis, remplis surtout, ne laisse pas de vide, ne laisse pas de silence, ne laisse pas d'espace, remplis tout. Et vous, à l'inverse, vous dites non, vertu de la passivité. Absolument. C'est-à-dire que depuis tout petit, on a été dans la confusion. On a confondu le dehors et le dedans. Et en fait, on est des immigrés. Enfin, quand on est dans le soi, on a immigré, on a laissé l'intériorité en jachère, on est immigré à l'extérieur, en dépendance des objets, des personnes, des autres. Et alors surtout, qu'on a confondu le dehors et le dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réalité ne fonctionne pas selon les mêmes critères que le psychisme inconscient. Ça veut dire que dans la réalité, quand il y a une voiture qui vous fonce dessus ou qu'il y a une bête qui s'apprête à vous attaquer, évidemment qu'il faut éviter, qu'il faut fuir, il faut combattre, voilà. Mais par rapport au psychisme inconscient, à chaque fois qu'on est face à un danger intérieur, enfin un danger intérieur, c'est-à-dire culpabilité, l'angoisse, la dépression, etc., et voilà, on devrait faire paradoxalement la démarche inverse. C'est-à-dire que plus vous êtes dans la bataille, dans le refoulement et dans le déni, plus vous vous fatiguez, plus vous donnez de l'énergie à ce symptôme, et donc en fait après vous êtes vaincu.
Donc, par rapport au psychisme inconscient, il faut être dans l'accueil et il faut être dans le dialogue. De la même façon, c'est des exemples que je donne tout le temps, c'est que si vous découvrez un trou dans votre jardin, évidemment, la première chose à faire, c'est de le combler, parce que sinon, vous risquez de vous casser quelque chose. Eh bien, quand on est face à un vide intérieur, eh bien, la première et la dernière chose à ne pas faire, c'est de le remplir. Parce que plus on remplit le vide intérieurement, avec la nourriture, avec la sexualité, avec l'argent, avec le pouvoir, avec enfin n'importe quoi, et plus ce vide, il s'amplifie. Voilà. Et la même chose par rapport à la vitesse. Si vous voulez aller de Paris à Marseille, évidemment, vous avez intérêt à prendre l'avion, à des moyens de transport très rapides. Si vous allez à pied, vous mettez beaucoup plus de temps. Mais pour l'inconscient, c'est la démarche tout à fait inverse. C'est-à-dire que si vous voulez arriver rapidement, il faut aller très 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 lentement. Alors c'est pour ça que des fois, je ne comprends pas très bien les thérapies rapides, etc. Oui. Donc je veux dire, le conscient et l'inconscient, ce sont dehors et dedans, n'obéissent pas aux mêmes principes, n'obéissent pas aux mêmes règles. Et donc plus vous êtes dans l'hyperactivisme, l'hyperactivité, etc. Parce qu'en fait, l'hyperactivisme, c'est quoi? C'est une réponse par rapport aux parties inanimées, c'est-à-dire dans la dépression infantile précoce. Si vous voulez, la dépression, c'est une petite mort symbolique quelque part. Donc, alors l'hyperactivité, l'hyperactivisme, en fait, ça vient vous prouver à vous et ça vient prouver aux autres secondairement que vous êtes vivant. Parce que la première fois que l'enfant fait la connaissance avec la mort, il fait connaissance parce qu'il voit une petite mouche ou un lézard ou un oiseau qui ne bouge pas. Donc, ne pas bouger, ça veut dire être mort. Donc, il faut, l'hyperactivisme, par rapport aux parties inanimées, il faut qu'on soit tout le temps dans l'agitation, faire des choses, avoir des projets. Il y a tellement de gens qui ont des projets, c'est vital. C'est vraiment dramatiquement vital pour eux. Voilà, c'est tous par rapport à des angoisses, par rapport à la dépression et si vous voulez, des parties inanimées et des angoisses de mort. Mais moi, je pense que les angoisses de mort, ça n'existe pas. Je viens de dire des angoisses de mort, mais je dis que ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que si vous voulez, la mort, c'est quelque chose, c'est un grand mystère. C'est-à-dire qu'aussi longtemps qu'on n'a pas fait l'expérience de la mort, on ne sait pas ce que c'est. Et quand on aura fait l'expérience de la mort, personnellement, on ne pourra plus en témoigner. Donc je crois qu'on ne sait pas ce que c'est. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que dans la clinique, personne ne me parle d'angoisse de mort. Mais je crois que quand on parle de l'angoisse de mort, en fait, ça renvoie à la dépression infantile précoce. Ça renvoie à des parties inanimées, c'est-à-dire qu'en fait, ça renvoie, alors là j'ai inventé un néologisme, ça renvoie à des angoisses d'inexister. C'est-à-dire, inexister, ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas eu, qui n'a pas de place, qui ne se croit pas important, qui ne compte pas, qui n'est pas relié, qui ne se sent pas vivant, vous voyez, qui ne se sent pas nourri, qui ne se sent pas sécurisé. Eh bien, il a des angoisses, si vous voulez, d'inexister. Il ne compte pas, il n'a pas, il n'a pas. C'est pas des angoisses de mort. Vous voyez, c'est des angoisses d'inexister. Et puis là, effectivement, plus il s'agite dans le sens de se prouver à lui-même et aux autres qu'il est vivant et qu'il existe, vous voyez, comme le dedans et le dehors, c'est pas du tout selon le même principe de fonctionnement. Eh bien, ça le dévitalise, ça l'épuise encore davantage. Mais la même chose par rapport à la culpabilité, si vous voulez. Toute ma démarche, c'est Alors, il y a des gens qui sont protecteurs des chiens abandonnés ou des gens sans abri et tout ça. Moi, je m'érige en protecteur des idées maltraitées, des idées négatives. Sur le basant la culpabilité, je crois que la culpabilité, c'est une bénédiction. Et on a passé des décennies à se déculpabiliser. Je crois que la culpabilité est une bénédiction. Parce que on a cette culpabilité, si vous voulez, qui est par rapport à la dépression infantile précoce et par rapport aux souffrances que nous avons vécues. Parce que toutes les souffrances, c'est de notre faute. Un enfant maltraité, c'est de sa faute. Une femme violée,
c'est de ça, c'est-à-dire ça suscite la culpabilité et la culpabilité chez elle. Et alors, dans la vie quotidienne, en tant que conjoint, en tant que parent, vous voyez, la culpabilité fait tellement, enfin, un sentiment tellement considéré comme négatif et il est victime de tellement de déni et de lutte, voilà, que ça ne fait que l'embraser. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, vous essayez d'apaiser votre culpabilité, et bon, un des moyens d'apaiser sa culpabilité, c'est de se sacrifier. C'est-à-dire, vous avez envie de quelque chose, vous renoncez, et voilà, vous donnez à votre enfant ou à votre conjoint, vous concédez, voilà. Et alors, donc, ça va vous apaiser, vous voyez, dans la lutte. Je veux dire que la lutte, effectivement, ça ne fait qu'embraser. Donc, vous faites ça, ça va vous apaiser pendant très peu de temps. C'est comme un whisky, hein. On boit un whisky, on est angoissé, on boit un whisky, ça vous apaise très temporairement, mais donc demain, après-demain, l'angoisse que vous avez ou la dépression que vous avez essayé de combattre avec la cocaïne ou le whisky, ça va encore plus fort. Et la culpabilité, c'est pareil. Donc, vous vous sacrifiez, ça vous donne, ça apaise un peu la culpabilité, mais la culpabilité est encore plus forte qu'avant. Pourquoi ? Étant donné que la raison, enfin, le monde réel et le psychisme fonctionnent tout à fait différemment, pour l'inconscient, aucune faute n'est plus grave et n'est plus grande que celle qui consiste à faire taire son désir et à se sacrifier. Donc, on se sacrifie pour apaiser sa culpabilité, mais en faisant ça, on commet la faute la plus grave qui est, voilà, qu'on se sacrifie, et donc on est dans le cercle vicieux et dans l'emballement. Alors, ce qui veut dire que la meilleure et la seule façon, si vous voulez, d'apaiser sa culpabilité, c'est de rentrer dans la faute, et c'est de commettre le péché, pas faire du mal, mais le péché qui consiste à respecter son désir, à être effectivement adulte, et non pas sous l'emprise de l'enfant intérieur, c'est-à-dire péché, ça veut dire effectivement pouvoir donner des limites à soi, pouvoir donner des limites aux autres. Et ce que je rappelle aussi par rapport à ça, enfin, je marche un peu avec l'association des idées, c'est que par rapport à nos enfants, par rapport aux conjoints, si vous voulez, qu'est-ce que c'est un amour vrai, un amour saint, un amour véritable? Je dis toujours qu'il y a quatre critères. Le premier critère qui montre que notre amour est saint, c'est quoi? C'est qu'on aime, on donne de l'amour sous toutes ses formes à ceux qu'on chérit. Mais ça, c'est un seul critère, il y en a trois autres. Le deuxième critère, c'est qu'on accepte l'amour de leur côté. Parce qu'il y a des tas de gens qui donnent, mais qui ne donnent rien parce qu'en donnant, veulent qu'on sache qu'ils sont bons, donc en fait, ils sont plutôt dans la quête. Donc, donc c'est donner de l'amour, être capable d'en recevoir, vous voyez. Et troisième critère, c'est être capable de ne pas donner de l'amour, c'est-à-dire donner des limites, frustrer, de dire non. Et puis, quatrième critère, c'est être capable de ne pas recevoir de l'amour, de refuser de l'amour, quand cet amour, si vous voulez, donc contredit nos valeurs, notre identité, etc. Alors c'est pour ça que, par exemple, par rapport à la culpabilité, j'ai oublié de vous dire, alors on a souvent recours à la religion, en pensant que la religion, c'est quelque chose de très culpabilisant, etc. Mais pas du tout, parce que si on fait référence au Talmud, le Talmud, il dit « Le jour du jugement dernier, le saint béni soit-il, te demandera des comptes, sur quoi ? Sur tous les plaisirs que tu t'es refusé. » Voilà, donc ça a été... Alors que d'ailleurs l'intérêt de la religion, c'est pas culpabiliser, c'est de dire, attention, la culpabilité est une bénédiction et quelque chose de très important, et vous ne pouvez pas, c'est absolument impossible, de devenir adulte et devenir soi, si vous ne passez pas par la faute. Et si je me permets de vous raconter juste l'histoire d'Adam et d'Ève, si vous voulez, en fait, Dieu, ce qu'il voulait, c'est que, effectivement, qu'il y ait la faute. Donc, grâce
grâce, grâce, et non pas à cause. Grâce à Ève et grâce à l'intelligence du serpent, qui est vraiment le symbole de la guérison, le symbole de la pharmacie. Grâce à Ève et grâce à l'intelligence du serpent, ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance pour pouvoir enfin se débarrasser de cet utérus primordial et de naître et de sortir, grâce à la faute. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le terme de péché n'est pas du tout dans l'ancien. Donc grâce à Ève, enfin ce qui veut dire, je ne vais pas vous amener là, c'est que vraiment dans l'Ancien Testament, c'est un texte vraiment féministe par excellence, avant terme. Donc vraiment, il faut voilà, toutes les précautions qu'on prend pour éviter dans l'évitement, en fait ça se retourne contre nous, ça accentue, que ce soit par rapport à la dépression, à l'angoisse, à la culpabilité, etc. etc. Et vraiment, il faut, la seule façon d'apaiser la culpabilité, c'est de rentrer dans la faute, qui est de donner des limites et de se donner des limites, enfin de la faute prométhéenne en quelque sorte. Je me demande, Moussa Nabati, en vous écoutant parler de l'inexistence, de inexister d'une part, et puis de la culpabilité qui pousse à en faire toujours plus pour essayer d'être parfait, etc. Vous n'avez pas décrit finalement en deux mots une partie, pas la totalité, mais une partie des deux portraits, des deux témoignages en fait qu'on a, parce que ce livre, il est vraiment, il est très intéressant, il est construit de façon à la fois très originale et très claire, puisqu'en fait, après une introduction que vous faites, vous nous livrez finalement le portrait de deux patients, une patiente, Mélanie, qui est vraiment dans l'illégitimité que vous appelez avec beaucoup de... Qui est notre problème à nous tous. Qui est notre problème à nous en tous. En dehors de toute... De toute façon, je pense qu'on se retrouve toutes et tous dans le livre. Hein. Donc peut-être pas à tous les... On n'a pas peut-être tous les symptômes, etc. Mais ça résonne très fort quand même. Et donc Mélanie, elle est dans cette terreur d'inexister. Que vous nommez, qu'elle ne sait pas nommer. Et puis, ça, c'est le premier portrait qui fait à peu près la moitié du travail, de votre travail, la moitié du livre. Et puis, le deuxième, c'est Victor, qui on pourrait parler de la tragédie de Victor, puisqu'il vient vous voir, ce patient, après la perte de sa fille. Hein, donc, oui. Donc, on sait bien que dans l'échelle de la souffrance, la perte d'un enfant, c'est terrible. Bien sûr. Et donc, voilà, vous, le livre, il est vraiment... on suit comme ça... le chemin très, très développé, hein, que j'imagine qui a pris de nombreuses consultations. Enfin, c'est un travail sur le long cours et avec Mélanie et avec Victor, avec cette inexistence et puis de l'autre côté, cette culpabilité et cette volonté forcenée d'être parfait finalement, d'être sauveur, d'être tout ce que vous voulez. Pour se sauver lui-même. Pour se sauver lui-même. Et vous arrivez à nous montrer, justement, pas à pas, de manière très pédagogique, je dirais, comment à chaque fois, ces symptômes qu'il faut savoir accueillir, vous l'avez très bien dit, et non pas qu'il faut fuir à tout prix et médicamenter à tout prix, ces symptômes qu'il faut savoir accueillir et ces épreuves peuvent être le fil d'Ariane, peuvent être le tremplin à une reconstruction. Parce que c'est vraiment ça que vous nous expliquez, en fait. Absolument. Alors, les deux cas sont différents. Mélanie, si vous voulez, ça serait un cas... Alors, moi, j'ai fait exprès, parce que dans un cas, j'ai présenté une épreuve terrible, enfin, l'épreuve la plus terrible qui soit, parce que vraiment, la mort d'un enfant, c'est pas une petite déception sentimentale, c'est pas un licenciement, c'est quelque chose de très grave. Alors voilà, vous avez donc d'un côté une épreuve vraiment dramatique, hein, et puis de l'autre côté, c'était intéressant pour moi de parler de Mélanie, parce qu'en fait Mélanie, elle a aucun problème, c'est-à-dire que voilà, elle a pas perdu, elle est riche, elle a beaucoup d'argent, elle est jeune, vraiment, il y a aucun problème de réalité, voilà, il y a l'épreuve, la seule épreuve qu'elle a. C'est un peu, enfin, c'est d'une banalité absolument extraordinaire. C'est qu'elle a du mal à dormir seule, elle s'ennuie un peu, vous voyez, donc elle cherche
des amours à droite et à gauche. Enfin, elle cherche vraiment, comme une petite fille, à trouver la matrice. Vous voyez, c'est un peu notre quête à toutes, à tous. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs deux paradis, parce qu'en fait, il y a un paradis perdu et un paradis, enfin, nostalgique et un paradis à retrouver. Et donc, on est tous, moi je crois que toute la vie, on passe à retrouver la mère qu'on n'a pas eue. Donc, là, Mélanie, et là, il n'y a aucun problème, parce que par rapport à Victor, qui est un cas dramatique, a perdu son enfant. Alors, ce que j'essaie de faire, c'est de dire, c'est qu'en fait, malgré les apparences tout à fait trompeuses, c'est-à-dire, dans un cas, on est dans une petite banalité, elle a du mal à dormir seule, etc. Il y a chercher des hommes pour. Comme si les hommes étaient des substituts maternels. Vous voyez, il y a beaucoup de femmes qui cherchent des mamans chez les hommes. Alors j'ai essayé de montrer qu'à travers ces deux cas, par-delà la gravité ou l'absence de gravité, en fait, ça renvoyait toujours à cette problématique qui est importante pour moi, c'est la dépression infantile précoce, c'est-à-dire l'enfant qu'on n'a pas été, l'enfant qu'on n'a pas pu être, qui a été avorté, oui. L'enfant qu'on n'a pas pu être. D'accord. Et alors, donc, c'est très important, voilà, la plaie, enfin, la blessure est l'endroit par où la lumière pénètre en nous. Donc, effectivement, c'est la revisitation de cette histoire. Finalement, on s'aperçoit, moi je m'aperçois, alors vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ces paroles dites par un psychanalyste? Et finalement, moi, maintenant, à l'heure où j'en suis, je me dis que finalement, l'histoire qu'on a vécue n'a pas beaucoup d'importance. Parce qu'on a beaucoup mis l'accent dans la psychanalyse sur l'histoire, les traumatismes, etc. Finalement, je découvre aujourd'hui, parce qu'en fait, chacun, vous voyez, à travers l'histoire de Mélanie, l'histoire qu'on a vécue n'a pas d'importance, ça veut dire que finalement, chacun a eu son histoire. Il y a des filles qui ont été abusées, il y a des garçons qui étaient abandonnés, enfin, tout ce que vous voulez. Finalement, c'est des anecdotes. Mais ce qui nous empêche de vivre aujourd'hui, c'est les mécanismes de défense qu'on a élaborés à un certain moment, c'est-à-dire la quête de l'innocence, la quête maternelle, la quête de l'amour, l'apaisement par rapport à sentiment d'insécurité, la nourriture avec... On a mis en marche un certain nombre de mécanismes de défense. Heureusement qu'on a fait ça, mais qu'après un certain temps, alors qu'il nous aidait à survivre, il nous empêche de vivre. En fait, c'est-à-dire que l'histoire n'a plus beaucoup d'importance, si vous voulez. Ce qui est important, c'est les solutions qu'on applique encore aujourd'hui et qui sont complètement inopérants et dépassés. Et donc le travail psychique, le travail psychique sur soi, c'est de revoir ces stratégies de défense et de comprendre qu'en fait, c'est complètement inadapté, que ça s'est appliqué à une certaine période, à une personne qu'on était et qu'on n'est plus dedans, et de trouver d'autres stratégies. Enfin, par exemple, déjà, la première stratégie, c'est essayer donc de prendre un peu ses distances vis-à-vis de l'extériorité, des objets et des autres. Et ça a été l'occasion pour moi d'inventer encore un autre néologisme qui s'appelle la désespérance. C'est-à-dire que contrairement au désespoir névrotique et dépressif, on désespérait de ça, mais là, rentrer dans la désespérance, c'est-à-dire rentrer, c'est-à-dire comprendre, enfin, ces illusions qu'on n'arrivera pas, qu'on n'arrivera jamais, enfin, qu'il ne faut pas trouver une mère comblante et être dans la quête de l'amour et du bonheur, tout ça, avec cette espèce d'aliénation et d'infaudation par l'extériorité, avec tous les dangers que ça comporte, parce qu'en fait, c'est cette quête qui nous rend des vrais esclaves, parce que tous les hommes politiques et le capitalisme nous manipulent dans notre côté enfant. Les hommes politiques nous disent « Moi, je vais vous donner le bonheur, votez pour moi. » Vous donnez la sécurité, l'abondance, les prix vont baisser, etc., etc. Donc, les hommes politiques, dont le seul souci, c'est la conquête et la conservation du pouvoir, donc manipulent la pensée magique infantile, et le capitalisme, qui nous dit tout le temps, pour être heureux, il faut manger ça, il faut acheter ça, il faut boire ça, etc., etc.
Oui. Alors, le concept de la désespérance me paraît très. Enfin, ça me satisfait, moi. Ça ne veut pas dire désespérer, mais ça veut dire comprendre que tout a une limite. C'est-à-dire que l'autre ne peut pas me donner plus qu'il n'a ou qu'il n'est. Que l'argent, c'est très bien, mais finalement, ça ne peut pas enlever la dip. Que la sexualité, que tout ce que vous voulez, tout ce que Dieu a donné, c'est extraordinaire, mais j'ai une limite, je ne me fais pas d'illusions. Je jouis des autres, je fais ça, mais qu'il n'y a pas de médicament, qu'il n'y a pas de solution. C'est-à-dire aller calmer un peu cette pensée magique infantile qui croit qu'un jour il va pouvoir retourner dans la matrice et voilà, et de développer ce que j'appelle la réhabilitation des parents intérieurs. La réhabilitation des parents intérieurs, ce qui est enfin vraiment une espèce de retour à soi, ça veut dire voilà, se conduire à l'égard de soi-même comme une gentille maman avec son bébé, vous voyez, donc se donner du temps, se donner de l'argent, enfin prendre soin de soi, ce qui n'est pas évident du tout quand on a de la dépression infantile précoce, puisque on est dans le sacrifice de soi en permanence. Et secondement, se comporter à l'égard de soi comme un père protecteur, c'est-à-dire ne plus aller chercher de la sécurité à l'extérieur. Bon, bien sûr, il faut fermer sa porte en partant à son travail, je ne dis pas ça. Mais voilà, donc ne pas chercher sécurité à l'extérieur, c'est-à-dire se conduire vis-à-vis de soi, en se donnant des limites soi, en étant respectueux d'un certain. Voilà, se protéger, de ne pas. Vous voyez, donc, enfin, se protéger donc vis-à-vis de tout ce qu'il peut y avoir comme manipulation à l'extérieur. Donc, retrouver l'enfant intérieur. Et de ne pas essayer de le réparer grâce à des subterfuges extérieurs et des parents extérieurs, mais réhabiliter les parents intérieurs. Voilà, donc. Quand vous avez cette parole que je trouve assez provocante, au fond, notre histoire, ça n'a pas tellement d'importance, Oui. c'est anecdotique. Moi, je trouve, moi, ça m'enthousiasme carrément parce que ça veut aussi dire qu'on peut vraiment sortir du statut de victime et Absolument. qu'effectivement, tant qu'on pensera qu'avec l'enfance qu'on a eue et les malheurs qu'on a eus, on ne pourra jamais s'en sortir, on sera à tout Non. jamais une victime. Là, vous prenez carrément le contre-pied. Bah, tout ça, c'est peut-être anecdotique. Ce qu'il faut regarder, c'est la part de l'adulte, enfin, ce clivage entre adulte et enfant intérieur, Absolument, et hier et comment. aujourd'hui. Alors c'est pour ça que ça remet même en cause, si vous voulez, le concept de la prise de conscience. C'est-à-dire que pendant 100 ans, Très, très bonne nouvelle pour nous. pendant 100 ans, les psychanalystes ont répété constamment que la guérison venait de prise de conscience. Et moi, je m'aperçois que c'est tout à fait faux. Ah, Enfin, j'adore. déjà, ce qui est très intéressant, c'est que la psychanalyste voulait toujours à l'encontre de la religion. Or, la prise de conscience guérison, c'est un concept religieux. C'est d'une religiosité terrible. C'est exactement dans le catholicisme, vous avez l'équivalent parfait. C'est-à-dire que quand saint Paul croit en Jésus, c'est-à-dire révélation et le salut. C'est-à-dire, dans le christianisme, vous avez la révélation de Jésus vous sauve, le salut. C'est exactement la prise de conscience et la guérison. Et c'est tout à fait faux. C'est-à-dire, vous pouvez être dans la prise de conscience de tout ce que vous voulez. Bon, c'est bien, mais ça suffit absolument pas. Très bien. L'autre versant de la. L'autre, ce qui complète la prise de conscience, c'est ce que j'appelle dans Comment vit dans moi, la compréhension incarnée. C'est-à-dire que quand vous avez pris conscience, quand vous avez revisité votre histoire et quand vous avez pris conscience de quoi? Conscience de l'histoire du délaissement, c'est-à-dire qu'il vous manque la nourriture et la sécurité. Vous passez votre temps à chercher la nourriture et la sécurité tout en n'en voulant pas, parce que vous ne méritez pas. Voyez? Une fois que vous avez pris conscience de ça, de cette espèce de ce nœud, après. Voilà, après, il faudra que dans la quotidienneté, vous mettiez ça en pratique. Vous voyez, c'est-à-dire que pratique, c'est-à-dire effectivement la réhabilitation des parents intérieurs et la désespérance, c'est-à-dire de ne pas prendre pour argent comptant
ce que les politiciens de tous bords, ou des gourous de tout ordre, ou le capitalisme vous dit, et que c'est tout à fait faux, parce que, vous voyez, par exemple, est-ce que vous savez, vous connaissez tous cette histoire de qu'il y a trois repas dans la journée, le petit déjeuner comme un roi, non, vous avez ça? Le déjeuner, il faut manger comme un prince, etc. Bah, l'histoire du petit déjeuner, il faut manger comme un roi abondamment et tout ça, vous savez de qui est à l'origine de ça? On n'a pas le droit de donner des noms. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, hein? Moussa, pas de problème. C'est Kellogg's. Ben oui, il y en a qui le savent. Moi, je m'interrogeais plutôt sur la partie que vous avez évoquée en deuxième partie d'exposé, sur la mise en pratique finalement, c'est-à-dire se rendre compte de... Enfin, la prise de conscience des choses, c'est très bien. Ensuite, il faut dans son quotidien pouvoir mettre en pratique certaines choses. Donc on a parlé de la désespérance, abandonner cette pensée magique, être un père pour soi et se sécuriser. Mais concrètement, finalement, dans le quotidien, quand on a une situation un petit peu dysfonctionnelle, comment on le met en pratique? C'est-à-dire, est-ce qu'à chaque fois qu'on a une situation qui nous dépasse, on voit bien que ça tape dans quelque chose, est-ce qu'il faut concrètement se poser et se dire, OK, d'où ça peut venir? Qu'est-ce qui dysfonctionne exactement? Comment je peux moi-même me faire du bien? Ça peut être par l'intérieur, par l'extérieur. Donc vraiment, une question très pratico-pratique. Et dans un deuxième temps, finalement, dans une période de reconstruction, puisque c'est un peu le thème aujourd'hui, comment on fait la différence entre des mots qui nous rongent et finalement des traits de caractère? Oui, c'est-à-dire que, en fait, la première... dans mon esprit, la chose la plus importante à faire, puisque j'ai parlé du fait que notre histoire, bien sûr, est importante, mais ce qui est encore plus important et plus, si vous voulez, aliénant, c'est tous les mécanismes de défense qu'on met en marche pour lutter contre ça. Voyez. Alors après, qu'est-ce qu'il faut faire? J'aurais tendance à dire que la chose la plus importante, c'est de ne pas faire. Parce que de ne pas faire, c'est-à-dire de ne pas recourir à des objets ou à des personnes pour essayer de solutionner des choses. C'est très important de ne pas faire. C'est très important d'apprendre à ne pas faire. Dans l'Ancien Testament, si vous voulez, vous avez un certain nombre de commandements positifs. Il faut faire ci, il faut faire ça. Vous voyez, et puis vous avez des commandements négatifs, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Par exemple, c'est marqué, il ne faut pas qu'un père couche avec sa fille. Vous voyez, il y a des commandements négatifs. Et puis, il faut faire ci, c'est-à-dire, par exemple, manger l'agneau pascal à telle époque. Alors, c'est très intéressant parce que si vous ne faites pas ce que vous devez faire, ce n'est pas grave. Mais ce qui est grave, si vous faites ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire l'inceste, par exemple. Et de la même façon, vous avez des tas de jours fériés. Enfin, bon, je vais très rapidement, si vous voulez. Dans le corpus juridique de l'Ancien Testament, on s'aperçoit rapidement que l'essentiel, c'est de ne pas faire, c'est de ne pas agir. Vous comprenez? Par exemple, quand on s'aperçoit d'un dysfonctionnement, d'une souffrance, la chose la plus importante, c'est de ne pas faire, c'est-à-dire de ne pas tout de suite téléphoner aux copains, de ne pas tout de suite faire un projet de voyage, avec tout ce que ça comporte, comme carbone et pollution pour l'environnement, de ne pas se précipiter sur la bouteille de je ne sais pas quoi. Vous comprenez? Parce que, en fait, la souffrance qui est provoquée à cause d'une contrariété, cette souffrance, cette contrariété touche les deux colocataires de la maison soi, parce qu'il n'y a pas que l'adulte qui souffre, parce que ça a un sens, c'est par rapport à l'enfant. Donc, quand il y a quelque chose qui nous rend malheureux, la première chose, c'est de ne rien faire, de prendre rendez-vous avec soi, d'établir cette espèce de dissociation psychologique qui nous unifie, c'est-à-dire de se dédoubler, c'est-à-dire qu'on comprend qu'on est deux énergies, qu'on est deux forces
en soi, et d'essayer d'être un peu, non pas dans l'action, mais d'être un peu plus à l'écoute. C'est-à-dire, il s'est passé, bon, je ne vais pas vous demander de me donner un exemple, mais il s'est passé quelque chose. Voilà, c'est très important que vous arriviez à éprouver le sentiment de ça, mais l'enjeu de ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez échoué dans ça, ou il y avait été de contrariété, mais quel est l'enjeu de ça? C'est-à-dire que vous arriviez à parler avec vous, vous arriviez à exprimer vraiment, à découvrir, à exprimer ce que vous ressentez, à vous découvrir l'enjeu de ça. Mais rien que ça, même si vous n'arrivez pas, vraiment, cette espèce de retour sur soi et de parler avec soi. Alors d'ailleurs, de temps en temps, je préconise, quand ça arrive, de s'enregistrer, ou d'écrire, ou d'enregistrer, et après de se regarder comme s'il s'agissait d'une autre personne, ou d'une amie par exemple, ou d'une patiente, et vous allez voir, on établit tout de suite une distance qui fait qu'on comprend des choses qu'on n'avait pas devinées au départ. Donc voilà, c'est d'essayer de ne pas recourir tout le temps à des actions, parce que les actions, je l'ai répété à plusieurs reprises, ont un côté anesthésiant, réparateur, antalgique tout de suite, mais à long terme, c'est encore pire. Et de trouver l'enjeu, quel est l'enjeu pour soi, enfin. Parce que quand il y a la blessure, l'adulte, c'est pas très important, mais si c'est très fort, c'est que c'est la petite fille, le petit garçon, dont la détresse revient, et puis d'écouter ça, d'entendre ça. Et vous allez voir, ça change tout. Et puis surtout qu'on a été vraiment très, très, très habitués depuis tout petit à trouver des solutions à tous nos problèmes. Et alors petit à petit, alors maintenant, je soutiens que nos problèmes, en fait, c'est nos solutions. C'est-à-dire qu'il y a trop de solutions. On a trouvé des pesticides, on a trouvé les antibiotiques. Dans l'excès, si vous voulez, dans le mésusage de nos solutions qui ont créé vraiment plein de problèmes, enfin des vaccinations de toutes sortes, antibiotiques, pesticides, vous voyez, donc il faut essayer, enfin en ce qui concerne en tout cas le psychisme, il faut essayer d'être un peu plus dans la désespérance et un peu plus du côté adulte, et de ne pas se précipiter à trouver des solutions et tout ça, et d'être un peu à l'écoute de soi et de son intériorité. Parce que celui qui hurle, c'est l'enfant intérieur. Et il faut trouver l'enjeu de ça, pour moi, par rapport à ces deux points que j'ai toujours abordés. Et c'est la nourriture et la sécurité. D'ailleurs, ça, la nourriture et la sécurité, ce n'est pas du tout aussi quelque chose d'humain. C'est aussi végétal, c'est aussi animal. Et c'est aussi toutes les guerres, enfin tout ce qui se passe, c'est pour assurer sa sécurité et trouver à manger. À manger peut-être du blé, mais c'est un archétype, vous voyez. C'est vraiment cette histoire de délaissement, c'est un archétype. Et c'est très important. À chaque fois, je suis persuadé que vous allez trouver cette angoisse infantile de délaissement. Et donc, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Sauf que dans la distinction entre les époques, que vous avez cette petite fille en vous, incurable, et tous ceux qui vous disent que vous allez changer, donc c'est des charlatans, incurable, donc il faut garder avec vous précieusement pour qu'elle devienne l'ange gardien et cesser d'être le fantôme persécutant. C'est l'accueil. C'est l'accueil et c'est l'acceptation de l'inacceptable. Et l'acceptation de l'inacceptable, c'est le seul mérite que nous pouvons avoir. Parce que vous n'avez aucun mérite à accepter que vous êtes jeune, que vous êtes en bonne santé, que vous êtes belle, que vous êtes riche. Vous n'avez aucun mérite à accepter. Votre mérite vient de la capacité adulte que vous pouvez avoir d'accepter l'inacceptable. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire aussi d'accepter, si vous voulez, l'impuissance fondamentale dans laquelle nous nous trouvons parfois.
Est-ce que j'ai répondu? Alors après, les traits de caractère, si vous voulez, ce sont aussi des, si vous voulez, des mécanismes de défense qu'on a mis en place à un certain moment et qui se sont rigidifiés et bétonisés avec le temps. La question que je me posais, c'était par rapport au manque, pour être sûr. Au manque. Au manque, oui. Vous avez dit ce que j'ai compris, c'est que devenir adulte, c'est se désillusionner en fait de combler le manque, d'accepter en fait de vivre toute sa vie avec un manque en fait. Oui. C'est ça? Oui. Et en fait, la question aussi que je me posais, c'est que quand vous parlez de nourriture et de sécurité, est-ce que c'est... Enfin, j'ai pas très bien compris. Nourriture, qu'est-ce que c'est, nourriture psychique, amour Ah oui, bien sûr, oui. Mm. Oui, la reconnaissance, l'amour de soi. D'accord. Et sécurité, sécurité affective. Sécurité, c'est-à-dire que vous êtes vivante. C'est-à-dire, voilà, donc comprendre que vous êtes adulte, que vous êtes vivante. Parce que le manque, si vous voulez. En fait, il y a le psychisme, il fonctionne en disant 10-1. 10-1, ça fait combien? 10-1, le psychisme, il ne fonctionne pas comme le mathématicien algorithme. Le psychisme, pour le psychisme, 10-1 est égal 0. C'est ça le problème. Alors, c'est pour ça que quand vous parlez avec un déprimé, il vous dit, par exemple, le choc qu'il a eu, il dit, je suis licencié, ou je m'aperçois, par exemple, que je ne peux pas avoir d'enfant, vous voyez, d'un manque. Mais il oublie complètement. Alors, et puis il se compare aussi avec les autres. Il dit tout le monde a des enfants sauf moi, tout le monde est marié sauf moi, tout le monde si, etc. Alors, ce qui est faux, parce qu'en fait, personne ne connaît l'intimité des autres. Vous voyez, enfin, c'est des fantasmes, parce que les autres, déjà, ça n'existe pas. Les autres, ça n'existe pas. C'est vraiment dans le tribunal interne. Donc, le manque. Voilà, donc. Le manque, alors 10-1 n'est pas égal à 0, mais enfin, moi, je pense que 10-1 est égal à 11 d'ailleurs, parce que le manque enrichit. Mais ce qui arrive, si, parce qu'on est vraiment sur le manque. Mais voilà, parce que si on le remplit, si vous voulez, il y a tout le temps les manques, après il va y avoir d'autres manques, enfin ça se multiplie sans arrêt. Alors c'est pour ça que dans notre fondement identitaire, l'instauration du manque, c'est la plaie qui permet d'être reconstruite. En hébreu, si vous voulez, je, J-E, vous comprenez, se dit ani, A-N-I, d'accord? Je, A-N-I. Et le néant, c'est vous... I-N-A, non? Oui, A-I-N. 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 Donc, l'identité... est basé, et c'est pour ça que je dis le dehors et le dedans, le psychisme et la réalité, ça ne fonctionne pas pareil. C'est, enfin, quelque part paradoxal, c'est que vraiment c'est le manque qui nous construit. C'est-à-dire, vraiment, il faut garder le vide, il faut garder comme quelque chose de très précieux. Et je ne sais pas si c'était ça votre question, non? Après, ma question, c'était comment faire la distinction entre un manque un peu infantile et chronique, ce que je comprends qu'il faut juste accepter Oui, mais accepter, oui, accepter. Alors, par rapport à l'acceptation, ce n'est pas du tout la résignation. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous acceptez, ça ne veut pas dire que vous ne faites plus rien. En fait, l'acceptation, ça veut dire vous acceptez que c'est ça. Par exemple, vous acceptez que vous n'avez pas, qu'il vous manque un bras. Mm. Voilà, donc il faut accepter ça. Alors, une fois que vous acceptez le principe, c'est-à-dire c'est comme ça, après, d'ailleurs, si vous voulez, toute notre vie est basée sur des acceptations, c'est-à-dire déjà des acceptations de tout ce que nous n'avons pas choisi. Moi, par exemple, je n'ai pas choisi de naître. Je n'ai pas choisi de naître à tel endroit, je n'ai pas choisi d'avoir ce prénom, je n'ai pas choisi d'être pas avec des parents comme ça, mais toute notre liberté consiste à certifier et adhérer à plein de choses que nous n'avons pas choisi délibérément, puisqu'on n'était pas né pour choisir de naître, etc. Non,
accepter, ça ne veut pas dire accepter, ça veut dire que c'est comme ça, c'est-à-dire que voilà, donc on reconnaît que c'est ça et on ne le combat pas. Parce que ce que je trouve désastreux, c'est le déni et c'est le refus et c'est le combat. Parce que ça nous épuise, nous, et cette énergie qu'on dépense pour combattre, c'est immédiatement récupéré par le symptôme qu'on veut combattre et il devient de plus en plus dangereux et menaçant, il finit par nous avaler. Donc le principe, c'est accepter, par exemple, enfin ça dépend de quoi qu'on manque, et puis ça dépend, ce manque, à quoi il renvoie, parce que est-ce que ce manque, la plupart du temps, ça signifie que puisque j'ai ce manque, je ne peux plus être reconnu, je suis nul, et je n'ai pas d'importance, vous voyez, est-ce que ça va dans le sens de la mésestime et de manque d'amour de soi? Non, mais moi j'ai l'impression d'avoir accepté ce manque, mais il me reste... j'ai l'impression que ce manque, c'est une forme de moteur, en fait. C'est quelque chose qui m'anime. Même il y a une part d'insécurité, de manque, qui me donne envie de créer, en fait. Oui. Et que, mais qui quand même, j'ai envie de faire des actions à partir de ce manque, de cette incomplétude. Oui. Est-ce que ça aussi... Oui, mais sans croire, enfin, par rapport à la désespérance, sans croire qu'on arrivera un jour à résoudre le problème, c'est-à-dire à le supprimer. C'est-à-dire le manque, effectivement, c'est un moteur. C'est pas donc, un problème en fait, c'est juste une perception qui change, c'est un moteur qui nous aide à absolument à créer ou à aller vers un absolument désir qui absolument, c'est comme dans infini beaucoup de choses, il faut changer de regard. Dans votre livre Guérir l'enfant intérieur, vous avez vraiment beaucoup développé le fait que on a notre dépression, en fait, d'enfant, oui, mais qu'on rencontre aussi et qu'on est porteur d'un héritage transgénérationnel. Oui. Et que là, du coup, ça fait beaucoup de monde qui se oui rencontre. Bien sûr. Je voulais savoir, là, vous n'en avez pas parlé aujourd'hui, si vous pouviez un petit peu développer, parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Et comment, parce que vous parliez de dans votre clinique, vous vous êtes beaucoup orienté vers cet enfant intérieur. Oui. Mais qu'est-ce que... Mais déjà, l'enfant, par exemple, un exemple très précis. L'enfant, avec une mère déprimée, l'enfant, enfin, avec des parents qui ne s'entendent pas, voilà. Donc, l'enfant, il avale, là, parce que l'enfant, en fait, il faut absolument qu'il trouve les deux éléments fondamentaux dont je parle tout le temps, c'est-à-dire la nourriture et la sécurité. Parce que, d'ailleurs, toutes nos angoisses sont égoïstes. C'est-à-dire, l'enfant, il s'en fout comme de l'an 40, que ses parents se bagarrent ou pas. Ce qui est important pour l'enfant, c'est que les parents, ils soient ensemble, non pas parce qu'il aime ses parents, mais parce que quand les parents sont ensemble, ils peuvent l'approvisionner et le protéger. C'est pour ça que la théorie freudienne, je passe rapidement, par rapport au complexe d'Édipe, est fausse. D'abord parce qu'on n'en rencontre jamais dans la clinique, et ensuite parce que, enfin, c'est pas du tout ça correspond pas en mythe, et puis, enfin, surtout, je vais très rapidement, c'est que l'enfant, il n'a pas intérêt à détruire, enfin, à supprimer un parent pour aller avec l'autre, il faut que les deux parents soient ensemble pour pouvoir le nourrir. Vous comprenez? Et donc, quand la mère est indisponible, quand la mère est déprimée, puisque l'enfant, il faut absolument qu'on l'allaite, enfin, à la fois du lait et puis à la fois de l'amour et qu'on le protège, il procède comme une espèce d'éponge, comme une espèce de buvard, à aspirer la dépression parentale pour guérir la mère et pour que la mère puisse reprendre son travail de fournisseur d'énergie. Alors, il y a un mythe dans la Grèce ancienne, je crois que j'en parle aussi dans l'enfant, de guérir son enfant intérieur. Dans la Grèce ancienne, dans la pensée grecque ancienne, quand il y avait une catastrophe qui arrivait,
C'est-à-dire, il y avait une épidémie, il n'y avait pas de vent pour la navigation, et quand il y avait... Alors, on partait du principe que les dieux étaient fâchés, que les dieux étaient mécontents, donc il fallait apprivoiser les dieux pour que le vent arrive, pour que la pluie arrive, pour que l'épidémie disparaisse. Donc, quelle façon ils avaient trouvé pour apaiser la colère des dieux? C'était le sacrifice humain dans la Grèce antique. Alors, on prenait des esclaves, donc on promenait un esclave homme et un esclave femme, on les faisait promener à travers les rues du village, et tous les villageois se réunissaient et crachaient dessus, crachaient sur les esclaves. Ça veut dire qu'ils sortaient toute la négativité, toute la souillure qu'il y avait. Et les esclaves, en fait, c'était des aspirateurs, c'était des éponges. Après, on les faisait disparaître dans les... soit on les sacrifiait, soit on les faisait disparaître dans le désert. Voilà, ça, c'était la théorie de la purification. Alors, l'enfant, il aspire la dépression parentale. Il devient l'enfant thérapeute. C'est un concept très important que je répète tout le temps. Alors après, il deviendra l'enfant thérapeute, il devient thérapeute de ses enfants, il devient thérapeute de son mari, thérapeute de l'univers entier, il devient extrêmement, comment on appelle ça, altruiste. D'ailleurs, altruisme, c'est la forme la plus grave et la plus caricaturale de l'égoïsme. L'altruisme exagéré, parce qu'en fait, dans le don de soi, on ne donne strictement rien, on est dans la quête. On montre que je suis un gentil garçon, que je suis bon, que je suis généreux, que je peux aider et tout ça, vous voyez. Parce que quand on est dans l'amour vrai, on donne et on refuse de donner et on reçoit, etc. etc. Donc l'enfant, il aspire la dépression parentale en tant qu'enfant thérapeute, vous voyez, pour que les parents puissent se remettre à fonctionner. Alors c'est pour ça que la dépression chez l'adulte est quelque chose de très compliqué, parce qu'il n'y a pas qu'une de la dépression, mais il y en a plusieurs. C'est-à-dire, vous avez la dépression infantile précoce parce que vous-même, vous avez été délaissé, parce que vous étiez une fille et on voulait un garçon, parce que vous aviez une sœur handicapée qui faisait que toute l'attention était là-bas et puis vous-même, vous étiez très coupable que la sœur soit handicapée, etc., parce que c'était de votre faute et tout ça. Vous voyez ? Donc, vous avez votre dépression infantile précoce. Et puis vous avez aussi la dépression des autres que vous avez épongés, que vous avez aspirés, pour, non pas parce que vous les aimez, toutes nos amours, tous nos amours et nos angoisses sont égoïstes. C'est-à-dire que ça va dans le sens de récupérer de l'amour et de la protection. Donc dans la dépression, il y a plusieurs couches. Il y a la couche de l'enfant infantile précoce, et puis il y a la couche de la mère qui elle-même, très sûrement, parce qu'une mère déprimée, ça veut dire qu'elle aussi, elle a été abandonnée. Et quand, c'est-à-dire la grand-mère, si, ça. Et puis, bon, ce n'est même pas de la faute des femmes. C'est quelquefois aussi, les femmes se trouvent sexuellement, amoureusement maltraitées, enfin, de tout ce qui arrive. Donc, elles ne sont pas disponibles. Donc, voilà, donc on devient l'enfant thérapeute, après on devient l'enfant thérapeute. Alors, le cas de Victor, c'est très intéressant là-dedans, il devient l'enfant thérapeute, sauveur de l'humanité, parce qu'en fait, toutes nos angoisses et nos amours sont égoïstes, sauveur de l'humanité, c'est-à-dire, est-ce qu'un jour je vais arriver à être sauvé ? Très rapide. En tout cas, je suis très positivement impressionné de la présence des hommes. Souvent, Oui. Il y a beaucoup de femmes, pas d'hommes. Donc je vous félicite. Allez. Justement, c'est une observation sur laquelle j'allais venir. Merci déjà pour tout ce que vous développez si bien. Dans ce qui permet, conditionne le développement de la vie de l'enfant, de sa vie d'enfant, sécurité et nourriture, vous avez, il me semble, assez clairement assigné cette mission à la mère. Donc, première question, effectivement, pour quelles raisons ? Est-ce pour, selon un principe de répartition des fonctions, ou en raison d'un lien psychique ou biologique ? C'est ma première question. Et la deuxième, qui est liée, vous citez comme les deux ingrédients piliers de ce développement, donc la sécurité et la nourriture.
dans la sagesse populaire, on va, plus que de sécurité, d'abord parler d'amour. Tant il est vrai que quand il y a de l'amour, il y a de la sécurité. Et s'il y a de la sécurité, c'est souvent parce qu'il y a, enfin, c'est parce qu'il y a de l'amour, a priori. Donc pourquoi quelle distinction vous faites finalement, quelle importance particulière de préciser cette dimension de sécurité, plus que de parler d'amour dans l'absolu. Et d'ailleurs, un père aimant, n'est-il pas aussi sécurisant? C'est-à-dire que de la façon dont vous posez la question, de la façon dont vous posez la question, il y a les deux. Il y a les deux, donc de façon évidente. Mais c'est pas dans la réalité, c'est pas forcément les deux ne sont pas les deux ingrédients ne sont pas forcément présents. C'est-à-dire que le père, la mère peuvent être vraiment dans un lien d'amour. Déjà, enfin, quand je parle de l'amour, alors j'ai pas eu le temps de développer. C'est quand j'entends l'amour dans le sens de la gratuité du désir et non pas dans le sens du besoin. Voilà, par exemple, quand on perd un enfant, on peut avoir besoin, voyez, comme Salvador Dali ou Vincent Van Gogh. Vous voyez, Salvador Dali, c'était des enfants consolateurs, c'est-à-dire ça. Van Gogh, par exemple, Vincent Van Gogh, il allait tous les dimanches au cimetière avec ses parents et regardait sur la tombe, c'était marqué « Ici, J est né Vincent Van Gogh ». Enfin, il avait le même prénom que son frère disparu. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir un enfant par besoin. Les parents, enfin, l'homme et la femme, ils ne s'entendent pas bien. L'enfant devient un sparadrap. Vous voyez, quelque chose, si on avait un enfant, voilà. Donc, on a le besoin de se relier ensemble. Voilà, ou quand on perd un enfant, ou quand on a un garçon, on n'est pas content, on veut une fille. Donc, déjà, par rapport à l'amour, c'est ce qui est important, ça soit l'enfant dans la gratuité du désir, c'est-à-dire que l'enfant est le fruit et de l'amour et de la vie. Voilà, dans chaque pomme, il y a des pépins, les pépins, ça donne des pommes, on ne réfléchit pas, c'est la gratuité dans le fruit de l'amour et du désir. Mais donc, il peut y avoir amour sans que forcément il y ait la sécurité, c'est-à-dire... Il peut y avoir des parents aimants, mais très inquiets de tout. Alors l'inquiétude, une mère qui a perdu déjà un enfant, ou qui a fait fausse couche, quand il y a une mère qui fait, enfin une maman enceinte qui fait une fausse couche, la deuxième fois qu'elle est enceinte, vous voulez, ça se passe pas comme une lettre à la poste, c'est très inquiétant, inquiet. Et l'enfant, par exemple, il y a des enfants qui sont conçus, après, le père, enfin, la mère, les parents pensent à l'avortement. Donc, et puis après, ils ne le font pas. Il y a combien de couples qui sont allés, vraiment, qui ont attendu jusqu'au le jour du rendez-vous et ne sont pas allés. Alors, l'enfant, dans le ventre, évidemment, il n'entend pas. Il dit, ah, mais enfin, bon, nous, on parle du fait que le mot conception... C'est-à-dire que l'enfant, enfin moi je pars du principe que l'enfant existe avant même qu'il soit conçu. Alors comment, avant même qu'il soit conçu, parce qu'il y a le mot conception, c'est à la fois la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule, mais aussi c'est la rencontre dans le cœur et voilà, l'intériorité des parents. Donc l'enfant peut être dans un état se ressentir les angoisses de mort de la mère, voilà, quand vous êtes enceinte, la maman enceinte, vendredi soir, le téléphone sonne, son mari chirurgien, son mari raccroche en disant, il y a une urgence à l'hôpital, il faut que je me sauve à l'hôpital, il faut que le médecin chirurgien, voilà, donc voilà, la maman enceinte reste à la maison, et puis... Le lendemain matin, elle se dit, il fait beau, magnifique, le soleil, je vais aller faire un petit tour au jardin des plantes. Et qui elle voit? Elle voit le mari en train de s'entrelacer une femme. Donc en fait, le mari, il n'était pas allé au bloc opératoire. Mais bon, il y avait... C'est bien. Donc si vous voulez,
l'amour de l'enfant, il y a... après, la mère, elle n'était plus là. Elle était... bon, l'enfant était déjà abandonné. Vous voyez, puisque la mère maltraitait amoureusement, sexuellement. Donc voilà, donc les deux, oui, enfin, paraissent associés, mais ne le sont pas toujours. Et puis, méfions-nous. Je vous ai dit tout à l'heure que je me méfiais de l'exagération de l'impérialisme de la liberté. Je me demandais si ce n'était pas une forme d'esclavage. Et méfions-nous parce que si j'écoute la radio et je vous lisais des choses, il y a une espèce de dictature de l'amour, il y a trop d'amour, vous voyez. Je trouve qu'on parle trop d'amour et il faut s'en méfier. Voilà, bah, vous voyez, il faut le travail qu'on aime, le conjoint qu'on aime, les vêtements qu'on aime, l'aliment, tout ça. Il y a une espèce de dictature, enfin il y a trop de mais les deux, amour et sécurité, ne sont pas forcément synonymes. Je ne sais pas si c'est... ça veut pas, c'est pas parce qu'il y a un qui a l'autre. Quand vous êtes bébé, vous voilà. Si votre maman perd sa mère et son père ou je sais pas qui, ça amène un sentiment de dangerosité, voyez. Parce que la vie humaine est quelque chose d'une fragilité extraordinaire. C'est vraiment, ça tient un fil. Nous sommes de nature très 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 inquiet de tout perdre un jour. Et la mère, pourquoi la mère? Parce que c'est la mère qui porte le bébé. Les pères, ils n'en savent rien. C'est-à-dire que déjà, les pères, ils commencent à comprendre que leur femme est enceinte quand l'enfant a eu 3 ans. Non, mais nous sommes, parce que nous vivons rien dans notre corps. Nous n'avons pas le problème de ventre, nous n'avons pas des nausées, nous ne souffrons pas des douleurs de l'accouchement, nous ne comprenons rien. Donc, nous sommes vraiment des étrangers dans le processus de la création, enfin de la fécondation, de la grossesse et de l'enfantement, vraiment. Vous sommes voilà. Alors, c'est la mère qui conçoit, c'est la mère qui porte, c'est la mère qui nourrit, etc. Mais le personnage du père reste quand même un personnage tout à fait central à travers le cœur de la mère, à travers la sécurité, à travers l'amour qu'elle a pour le père et à travers l'amour que le père lui donne. Mais l'enfant, pendant les quelques années de la gestation et puis après de l'enfant, donc pendant quelques années, l'enfant est dans une relation, si vous voulez, symbiotique. En fait, la grossesse ne finit pas à la naissance, la grossesse continue encore de façon extra-utérine pendant quelques temps. Maintenant, quelquefois, c'est encore jusqu'à 25 ans. Non, parce que, non, mais ça aussi, c'est intéressant, parce que sociologiquement, à l'époque, il y avait les enfants, il n'y avait pas d'adolescence. L'adolescence durait 5 minutes. Après l'âge adulte, vous voyez. Alors maintenant, vous avez l'enfance qui dure très peu, et vous avez l'adolescence, et vous n'avez plus d'âge adulte. C'est-à-dire que l'adolescence, qui était une période de quelques mois, parce qu'à 18 ans, à 15 ans, il y a des gens, il y a tant de femmes mariées à 15 ans, et grand-mère à 30 ans. Vous comprenez? Maintenant, il y a des gens qui se mettent, des femmes qui se mettent à avoir des enfants à 40 ans. Après, ils s'aperçoivent qu'elles ne peuvent pas. Donc, sociologiquement, l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte, ça a été complètement transformé. On est l'enfance et une adolescence qui dure pendant 50 ans. Et les adultes refusent, avec le jeunisme, etc. Voilà, donc l'habillement, le jeunisme, la nourriture, on veut rester éternellement jeune et on ne peut pas... on peut pas... Et puis vieillesse, frapper, enfin vraiment beaucoup de négativité. Donc si vous voulez, le problème central de la mère, c'est très important. D'autant plus, mais je vous assure, nous n'allons pas parler de ça, c'est par rapport à l'extrême supériorité de la femme, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on a toujours vécu dans un très grand matriarcat, et le matriarcat continue, donc la femme, c'est très important, c'est supérieur à l'homme par rapport à sa petitesse. D'ailleurs, toute la violence des hommes par rapport aux femmes, c'est pas du tout... par haine, mais c'est par inquiétude de les perdre,
enfin les féministes, etc. Non, mais je veux dire, le personnage de la femme est vraiment, et de la mère, c'est tout à fait central. Donc, les cordons ombilicaux avec les mamans sont incoupables. Bien. Je suis, merci, voilà, merci on s'arrête beaucoup. Là parce que... Merci, merci beaucoup, Moussa Nabati.